Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 12 septembre 2022 est de 117 gourdes à 38,28 points dollars. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 122 gourdes à 39,45 pour 1 dollar. À la clôture du marché le vendredi 9 septembre 2022, le baril de pétrole était à 86,79 $, soit une augmentation de 3,9%. Un an après l'adoption du Bitcoin, comme monnaie officielle, le Salvador est au bord du gouffre avec une dette publique qui dépasse désormais les 80% du PIB et un trou de 375 millions de dollars dans des comptes publics déjà en très mauvais état. Le Bitcoin a perdu 50% de sa valeur en un an et malgré 4 millions de téléchargements sur une population de 6,5 millions d'habitants, seuls 2% des transactions sont effectuées via ce système. Les prix mondiaux des denrées alimentaires continuent de baisser pour le cinquième mois consécutif, a annoncé vendredi la FAO, qui prévoit aussi un recul de la production mondiale de céréales en 2022. Le baromètre des prix mondiaux des denrées alimentaires de la FAO constate une baisse de 1,4% pour les céréales en août, tandis que les prix du riz sont globalement restés stables. La Barbade va négocier ce mois-ci un nouvel accord de prêt avec le Fonds monétaire international pour garantir la croissance positive du pays, a informé la première ministre Mia Mottley. La Barbade avait déjà contracté un prêt de 290 millions de dollars auprès du FMI en octobre 2018 dans le but de contribuer à rendre la dette viable et d'améliorer les perspectives de croissance du pays. Fin de la rubrique pour Fininfo, merci de votre écoute, bonne semaine et à demain. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine.